Hello, on se retrouve pour la suite de Persona 5 Royal. Donc la dernière vidéo a été un peu longue et assez riche. Donc on a découvert le Mementos, on a appris un certain nombre de choses en fait sur le fonctionnement du jeu. Enfin du jeu, de l'histoire on va dire, sur ce qui est dans l'histoire. Donc là, comme d'habitude, on est dans la chambre de Joker. Et donc, a priori, c'est le petit moment un peu calme, posé. Morgana me demande si je veux en savoir plus sur Mementos. Pourquoi ils mettent pas de S? Alors, c'est quoi exactement? Comment s'ouvre cette porte? Pourquoi ça t'intéresse quand? Tant, qui est Josie? Non, merci. Voilà, il y a pas mal de choses. Oui, parce qu'on a rencontré un enfant qui n'est pas humain, a priori. Et qui, selon mes infos, ne figure pas dans Persona 5 version de base. C'est un ajout spécifique à cette version royale. C'est pas une ombre et c'est pas non plus un humain a priori. Donc il a parlé de fleurs à récupérer dans le Mementos. Il n'a pas l'air dangereux, mais moi je me méfie de tout le monde. En tout cas, il faudrait qu'on récupère des fleurs pour lui, effectivement. Ah bah oui, de toute façon, quand on ira sur place, ça coûte rien d'essayer de trouver des fleurs. But seriously. Ah oui, c'est vrai qu'il nous a donné aussi un objet. Donc, comme dit Morgana, on dirait un caillou hein, mais en forme d'étoile, mais on garde ça. Effectivement. Ça va peut-être nous servir dans le métaverse. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter. On va pas égrener toutes les possibilités. Rappelez-vous que même tous les palais sont affectés par les événements du monde réel. Le temps qu'il fait est un très bon exemple, ça affecte votre humeur, non? C'est pareil dans le même Mementos. Vous devriez y aller un jour et mauvais temps, je vous en dirai plus à ce moment-là. Ah d'accord, ok. Ok, est-ce qu'on peut faire ça par exemple? Ok. Est-ce qu'on a des choses intéressantes à fabriquer? Ben non, toujours pas à part ça, mais j'en ai... Bon, allez, on va le faire quand même. Yeah. Ok. Bon, ben voilà. On a fait le tour, on ne peut rien faire. Yes. Yeah. Quelques petits points supplémentaires. Il faut toujours que j'améliore connaissance et gentillesse. Well then. On verra ça après la bonne nuit de sommeil. Alors, je suis pas en tenue d'école, donc ça veut dire qu'on va être tranquille un peu. J'ai vu sur le forum bien joué avec ce harceleur. Mon site de fans de fantômes vous a bien aidé, non? De quoi tu parles? J'essaie toujours de... Je nie toujours l'évidence, mais bon, c'est pas grave si tu veux pas le reconnaître. Au fond de moi, je le sais. Je suis à Shibuya. Ce serait sympa qu'on puisse discuter de vos prochaines missions. Je t'attends au dîner à Shibuya. Au dîner, j'imagine. Passe me voir. Qu'est-ce qu'il a en tête? Bon, allez, c'est parti. On va aller se balader. Gentillesse, gentillesse. Ah bah, du coup, direct, on est où? Alors, comment se passent vos activités spéciales? Oups, sorry about that. I haven't been getting a lot of sleep lately. Bah, faut dormir, Mishima. I've been staying up managing the fan site all night, every night. I think it's called PR. Ah bah ça, c'est un sacré boulot de gérer un site, n'est-ce pas? Le fan site. The Phantom Thieves Aficionado website. Fan site for short. You need a catchy name if you want people to notice you. This is all a bit of P-Thieves propaganda.
Basically, there's no point to taking down bad guys if nobody's gonna know about it. Bah oui, hein, c'est quand même pas mal. Ça, c'est le but, hein. That's why on entend parler des voleurs fantômes, a priori, même si ça va se retourner contre nous, c'est sûr. Voilà, il faut de la modération et de l'administration. We need the Phantom Thieves to be seen in the proper light if we want to make the name popular, right? Ben bon courage, Mishima. C'est vraiment nécessaire. Of course it is. The principles the Phantom Thieves represent really resonate with me. I mean, you guys are bringing rotten adults like Kamoshida to justice. How could I not be on board with that? Bon, on a un soutien à Mishima. So, actually, I really want to know how you punish people. Ouais, mais par contre, Mishima, ça va pas le faire. Je sais pas, j'ai pas envie de t'en parler. Don't worry, I'm not gonna ask. It wouldn't be any fun if you just up and told me. Ouais, d'accord, ok. C'est bien. After all, the Phantom Thieves have a reputation for being secretive. Ouais, faut qu'on reste un peu mystérieux. I wish I could be more like you guys somehow. Ah, tu veux nous rejoindre, Mishima? But I'll still be here to draw attention to the stuff you do. You can leave that part to me. I'm gonna use my fan site to promote the Phantom Thieves and weed out any negative comments. Ouais, c'est un peu de la censure, ça, effacer les messages négatifs. Mais... Your popularity is gonna be at my mercy, or my fingertips. It's like I'll be your strategic image management representative. So bon, bah, voilà, il s'impose un peu Mishima du coup, hein, mais bon. T'es à fond dedans. Just you wait. Tu vas voir. I'm gonna do everything I can to make sure that title's more than just for show. Mishima, responsable des relations publiques. Bon, Mishima, faut qu'il dorme aussi. I've got to say though, managing the Phantom Thieves' reputation is tiring work. The forum gets all sorts of weird posts, including tons of things unrelated to reforming society. Oh bah ça oui, le forum c'est toujours un peu le bazar. It defeats the purpose of the site if the truth of the Phantom Thieves was buried among all that garbage. Ah mais il va pas y arriver jour et nuit. But you don't need to worry. I'll faut sort quelqu'un through all qui the trash. Soit avec lui, ouais. Faut faire ça tout seul, le peu. Speaking of which, I've actually already found some worthwhile info about our very own school. Des infos à propos du lycée, quoi donc? Our quest to boost your popularity can start close to home. I'll give him my all. Bah ça va être motivé. Ouais, ça y est. All right. Confident de la lune atteint le 2, en faisant rien du tout. Mishima vous donnera désormais des infos relatives aux cibles du Mementos. Mettez-moi un S puré. Après avoir purgé le cœur d'une cible, allez voir Mishima pour renforcer la confiance qui vous unit. Il vous donnera plus d'infos sur de nouvelles cibles. Ok, myself, ah oui, faut pas te surmener. Voyons, va dormir. Man, I'm exhausted. I think I'd fall asleep on the spot. Ouais, c'est pas bien, on est plus efficace quand on est reposé. Puis voilà, tu rentres, tu dors, et ça va. See you later. Je te jure. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Enfin, c'est un détail, je sais pas pourquoi, là, je reste que bloqué sur... Et plein de trolls critiqués, les voleurs fantômes... Plein... Il va falloir que je me penche sur la question au niveau de l'orthographe, là. Bon, bref, là, c'est un petit détail. Alors, il essaie énervé, il n'est plus du tout sommeil, il va passer la nuit à riposter. Non, mais ça va pas le faire, il faut qu'il dorme. Tu ne peux pas tenir le coup si tu dors pas.
Évite les nuits blanches, oui, parce que... N'importe quoi. La bataille du fan-site. Eh ben, dis donc. Enfin, c'est pas de la modération, ça. Supprimer les messages négatifs, sans sommation, sans discussion, ça s'appelle de la censure. Mais c'est pas vrai. Ah bon? Le dîner dont Mishima t'a parlé à Shibuya, tu pourrais peut-être arriver là-bas. Le dîner, pardon. Tu as la permission de sortir le soir, alors, profite-en. Ouais, on va regarder le téléachat, des fois que... Je sais pas si j'ai de l'argent. Le pack relaxation. L'huile de récupération, gel relaxant et capsule d'alerte. Vous avez vu ça? C'est une affaire incroyable. Mais ce n'est pas tout, regardez. Ensuite, le pack engrais bio. Parfait pour quiconque a la main verte. Méga engrais et stimulant botanique. Ces deux articles sont vendus ensemble. La peine incroyable. Allez, de toute façon, je peux en prendre qu'un, mais... Est-ce que j'ai de l'argent? Allez, vas-y, vas-y. Alors, relaxation garantie, un pack qui améliore votre santé mentale. Oui, j'ai assez d'argent. Et ça... Sac, j'ai d'engrais pour plantes, la surange, un beau jardin luxuriant. Allez, on achète ça. Faire du café aussi, il paraît. Pour avoir de quoi améliorer un peu les PV. Décidément, j'ai de la chance. À chaque fois, c'est moi le dernier client. Enfin, c'est moi là, qui a le dernier article dispo. Alors, maintenant. Café, quelque part, j'ai vu. T'es où? Non, par là. Ah, zut, si, c'est ça. Ah, placer comme il faut. Faire du café. Je vais faire du café. Oh. Alors, est-ce que je m'améliore en café? Bah, c'est pas concluant quand même les premières fois. Yes. All right. Quand tu le bois, on a l'impression que c'est délicieux. Non, c'est pas mauvais. Et on dirait bien que tu as appris à imiter le style du patron. Ah bah, je suis amélioré alors. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va en dire, le patron? Goûte. Ce goût, ça doit être du café Narigno de Colombie. Let me explain. Ok. On a le droit à un petit laïus sur le café. Bon, à chaque fois, il dit que c'est assez fade. Ok, on va être patient, on va y arriver. Well then. Ah ben non. Non, je veux pas me reposer, moi. Oh, mais c'est une blague, c'était mon activité de la soirée. Je voulais pas faire ça. Mais tant pis. Alors, les gens qui discutent au sujet de lunettes qui sont un peu spéciales, apparemment. Tu pars faire du snowboard, là? Il paraît que les cerfs fleuriront plus tard cette année. Merci, le réchauffement climatique. Arc, foutu, allergie au pollen. Si j'allais en montagne, mon nez et mes yeux couleraient à flot. Quelle rire. Seems pretty rough. La saison des pollens commencera plus tard cette année. Les problèmes liés au pollen, comme les yeux qui grattent, ne font que commencer. Le même temps risque d'être affecté comme avec la météo. Ok. Morning. Hello Anne. Pas l'air en forme. Non, pas l'air en forme. Ça va. Actually, I've been having this feeling that someone's watching me. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe depuis un moment. No, it can't be. Oh,
maybe I just can't shake off the feeling of infiltrating a palace. T'as toujours l'impression d'être dans le palais, peut-être. At the palace, we're always cautious of not being noticed, you know? Ah bah c'est sûr qu'il faut être vigilant sur ses gardes en tout cas. So it has to be my imagination. Yeah. C'est probablement mon imagination ou pas. On va savoir. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui l'observe. C'est pas la première fois qu'elle le dit. Alors, et tu ne trouves pas que l'ambiance a changé au bahut? Tu veux dire depuis que Kamoshida n'y est plus? Oui, avant personne ne parlait aussi librement de lui. C'est vrai. J'aimerais juste que quelqu'un nous témoigne de sa gratitude. Bah oui, mais ils savent pas. Quoi qu'il en soit, tout s'est passé pour le mieux. Après tout, Kamoshida a fini par payer ses crimes. Cette victoire me suffit. Je suis d'accord. Je me demande ce qui va lui arriver maintenant. Je veux dire, c'est devenu un criminel notoire, non? Il va devoir apprendre à vivre avec la haine des gens. Peut-être, oui, mais je n'ai provoqué aucune pitié pour lui. Il n'a eu que ce qu'il méritait. C'est clair. Alors, piu-piu-piu. Hey, j'ai de nouvelles infos. J'ai vu ça sur le fan site, mais j'en ai aussi entendu parler au lycée. Il y a un élève à l'école qui dépasse les bornes. J'aimerais aider la victime, mais je ne peux rien faire. Mais je parie que les voleurs fantômes peuvent intervenir. Vous avez déjà fait ce genre de choses, alors ça devrait être facile, non? Mettre sans problème. Trop cool. C'est un garçon brun qui traîne souvent devant l'entrée du lycée. Si mes infos sont exactes, il s'appelle Daisuke Takahashi. Je sais que c'est dans tes cordes. Oh. Tu as des infos sur une nouvelle cible, ce n'est pas une grosse cible, mais on a son nom, ça devrait nous aider. Ok, requête Reisu. Plonger dans la vie d'une brute. Yep. Mishima nous a envoyé des infos, on se retrouve à la porte. Okay. Alors, est-ce que ça vous dit un petit truc pas trop compliqué? Si tout le monde est là, ça vous dit d'aller dans le memento? Mais de quoi tu parles? On a des examens à réviser, non? Let's go! Bah en fait, t'en fais pas pour ça, on s'embête pas avec les détails, on fonce tête baissée. Facile à dire, mais on n'a pas la... On a même pas de cible. Si, on a une cible. C'est plus un problème, on a reçu des infos de Mishima. All right. Timing impeccable, on peut y aller tout de suite du coup. Tu ferais n'importe quoi pour éviter d'avoir à réviser, hein. Alors, confirmez des requêtes du même tous. Vérifiez les infos liées à une cible en sélectionnant voir les requêtes à la planque ou en appuyant sur le triangle pour voir les requêtes dans le menu principal. Une fois que les infos sont confirmées, vous pouvez y aller en sélectionnant explorer le même tous. On peut explorer le même tous sans y avoir de cible, mais le temps y passe comme dans un palais. Attention aux opérations à temps limité. Ok, bah voir les requêtes, on va faire ce qu'ils nous disent, hein, comme ça. Bon, tout le monde se rappelle que l'étape la plus importante pour préparer une métanoïa. Ouais. Allez, arrêtez de nous faire poireauter. Oh. Ah, tu veux parler de la carte de visite. Mais attends, on en a envoyé une la dernière fois. Le trésor se matérialise quand on altère le submotion de la cible avec une carte de visite. C'est la règle quand on s'occupe d'un palais. Mais dans le même temps, il semble qu'on puisse s'attaquer directement à la cible. Ouais. Quoi? On n'a besoin de rien, même pas de carte de visite. Il existe autre chose qui remplit ce rôle. Heureusement pour nous, Mishima a posté sur le forum pour dire que les voleurs fantômes sont en route. Pour une cible bénigne, ça fait office de carte de visite et suffit à les effrayer un moment. Même Nakanohara a dû voir les commentaires de Mishima sur le fan site. C'est pour ça que le navigateur l'a détecté. Vous êtes sûr qu'on devrait laisser quelqu'un d'autre s'occuper d'une tâche aussi importante? Les désirs des ombres du Mementos ne sont rien comparés à ceux des maîtres de palais. Il faut qu'on soit tous d'accord sur le choix des cibles, même les plus faibles, c'est la règle. Bref, si on passait en revue les infos qu'on a collectées. Alors, c'est une brute arrogante aux cheveux bruns. Il est étudiant ici. Il ne fait pas qu'intimider les autres, cependant il maltraite et fait chanter des enfants. I'm gonna make him pay. Cible parfaite, on lui règle son compte. Allez hop. Tu es sûr de ne pas être simplement impatient d'aller dans le même tous?
Je dis, on peut pas laisser sévir un type pareil, on devrait y aller. Ouais. Aucune objection. Si ça te va, on est prêt à y aller, la décision est unanime. Il ne reste plus qu'à nous occuper des cibles dans le même tout. Eh bien, ok, c'est celui-là. Ça, c'était fait. Alors, cible. Ok, faites une étagère sur la cible dans le même tous. Ok. C'est bon, du coup, on n'a pas spécialement besoin de... Voilà, on y va maintenant. Go. Ah, on pourrait peut-être avoir plusieurs cibles à gérer, du coup. Forcément. Si on décide de ne pas y aller, quand on a identifié une cible, s'il y en a une deuxième qui se présente, eh ben on peut aller dans le Mementos pour... Alors, on peut désormais voyager rapidement vers le... à travers le Mementos. Ouvrez la carte avec un rein et sélectionnez vue d'ensemble du Mementos et choisissez votre destination. Cela est seulement possible dans certains lieux tels que l'entrée du Mementos et les quais de métro situés à la fin de chaque zone. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de pollen dans l'air aujourd'hui, ça va sûrement avoir un impact sur le Mementos. Hein? Comment ça? Le Mementos est affecté par les émotions des gens. Donc, c'est comme la météo qui change l'humeur des gens, ça change à tour. Ça change à son tour le Mementos. Pas que le Mementos, les ombres qui s'y trouvent aussi. La nature du changement doit dépendre de la météo, ça pourrait vous être utile. Alors, en cas de mauvais temps, le Mementos devient plus dangereux. C'est aussi l'occasion d'obtenir des objets supplémentaires. Les renforts d'ennemis deviennent plus communs, mais il peut parfois s'agir d'ennemis rares. Les objets trouvés peuvent également avoir plus de valeur et le nombre de coffres trésors augmente. Et sachez profiter de ces opportunités. Hey. Qu'est-ce qui se passe quand il y a plein de pollen? Je ne sais pas trop. Comment on a trouvé les gens aujourd'hui? Bah, ils souffrent plein d'allergies, ils ont l'air à la masse. On dirait que les médicaments les endorment. Bon, ben, ça se trouve, ils vont être à moitié endormis. Alors, les jours où le taux de pollen dans l'air est élevé, les ombres sont parfois endormies. En plus des autres effets propres au mauvais temps. Let's go! Elles devraient donc être plus faciles à battre ou à ignorer. Allons vérifier. Ok, let's get to work! Bon, alors. Tu me dis que maintenant je peux faire ça. Ouais, bah, pour l'instant, j'ai pas grand chose à voir. Du coup, ça va se dévoiler. Ah si, quand même. Ok. Zéro cible sur le chemin. Alors bah, du coup on va aller là. Comme ça on va gagner un petit peu de temps, même si du coup c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'on va pas affronter d'ombre. Ouais. Allons jeter un œil. Allez go, descendre. Puisqu'a priori, il est par là. Je crois. Hey, good job. Bien joué, tiens, te revoilà. That one close-up door is finally open. Cette porte est encore ouverte, c'est toi qui a fait ça? Bien sûr. Allez hop. I knew it. Mementos filled me in on it. Ok. But thank you. I should be able to find more flowers deeper down. Well, I should get going. Bah go, vas-y. Good job. Good job. On n'a rien fait pour l'instant, on n'a pas vraiment une porte. Ah là là. Alors. Rosel. C'est pas un petit garçon. Morgane. Oui, c'est ça, il faut qu'on trouve des fleurs. L'idée, c'est quand même aussi qu'on arrive à se débarrasser de... Bah après, oui, si on a des récompenses, c'est bien. Bah non, oui, on va peut-être pas aller chercher, là. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, quoi. Ah, il y a une ombre redoutable ici, et si on y reste trop longtemps, elle va nous chasser. La faucheuse. Ah, si on reste trop longtemps dans une zone, il se peut qu'une ombre terrifiante appelée la faucheuse apparaisse.
La faucheuse est extrêmement puissante. Mieux vaut ne pas l'affronter. Si vous entendez un bruit de chaîne, quittez immédiatement la zone. Oh. Ah oui, sinon c'était un peu trop facile cette affaire. Ah bah. Il est là. On n'a pas eu à te chercher. Hey. Alors, qu'est-ce que tu dis, Kebo? Mes graines de convoitise. Found some will seeds, hein? Oui, on a trouvé. On en a eu deux sur les trois. Power, but... If you collect three will seeds, they might grow bah oui, je even sais, stronger. On a eu deux sur dans le palais précédent, donc tant pis pour moi. I'm serious, okay? They do look really cool, though. I'd like to start collecting them myself. Ah, tu veux les collectionner? I was told to truly understand humans, I need to. I wonder if I'll be able to make my own will seeds after I learn more about humans. Tu veux en faire toi-même? Bah vas-y. Oh, fais ta vie. Sorry, this is yours. Here you go. Let me know if you find any others like. Learning about desires also teaches me more about humans. D'accord, si tu veux, bah ok, je passerai te montrer mes graines de convoitise quand j'en trouverai. Oh. Qu'est-ce que tu veux encore? Carnet de tampons. C'est quoi ton carnet de tampons? Les tampons et les fleurs donnent des récompenses différentes, alors récupérez un max des deux. Ah d'accord. Au cours de votre exploration dans le Memento, vous pouvez trouver des stands à tampons installés par José. Vous ne recevrez qu'un tampon par stand, mais vous ne vous... Mais si vous réunissez plusieurs tampons, José vous aidera dans votre enquête. Ok. Bah non, ah si j'ai des fleurs. Je vous échangerai des trucs géniaux contre des fleurs. Ah d'accord. Ok, bah, écoute. Parlez José dans le même temps pour échanger des fleurs contre des objets. Le nombre de fleurs à échanger évolue en fonction d'objets que vous souhaitez recevoir. Plus l'objet est rare, plus vous aurez besoin de fleurs, logique. Alors, elles sont toutes... elles n'existent que dans le Memento, les fleurs, et elles ne disparaissent lorsqu'on s'en va. Donc, il vaut mieux les échanger avant de partir. En gros. J'espère que je vais y penser, parce que moi... donc ça, good, rend 10 PC un allié. Rend 50 PC un allié. Ça c'est uniquement dans un abri, ça ça rend 75 PC. Et du coup tu m'échanges ça? Non? C'est quoi? Ah oui non là 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 oui oui. C'est quoi ça? Je peux modifier le Memento. Ah d'accord, pour gagner une expérience avec les tampons. Ok. Ok. On peut augmenter soit l'expérience, soit l'argent, soit les objets qu'on peut trouver. Ok. Bah ok, on va voir ça. Il y a trop de choses, et puis là je suis claquée, je sais pas... J'ai pas envie de retenir tout ça. Ben rien, parce que je peux rien faire. Donc Speaking of. Alors qu'est-ce qu'il y a les fleurs? Oui, ça y est, bah du coup je l'ai lu. Donc du coup oui, c'est bien ce que je disais, il faut rapporter, avant de partir. Avant de quitter le monde. Alors du coup toi t'es là. Oula oula. Bah, donne-moi ça. Alors, ok, tiens, je vais pouvoir aller. Ben, pas là.
Ah si, ça passe. Et sinon, il y a l'autre côté... Non, on va commencer par là, on va commencer par quelque part. C'est quoi ça? Là, il y a rien. C'est quoi ça? Ah oui, c'est tout en... Ah oui, c'est tout en bas. Allez. Il commence. Ah, moins un. Ah non, pas moins un parce qu'il a ramené un. MM2 d'ailleurs. Youpi! Voilà, on fait mal un peu à tout le monde. Malus défense. Saleté là. Oh, ça a fait mal ça. Alors, j'aime bien les attaques encore de... Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous faire? Voilà. Et le dernier. Go now. Déjà pas mal. Ah. On va se débarrasser de lui là. Merci. Ça a fait mal. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ta force. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai ce personnage. Ou je l'ai plus. Ou je l'ai jamais eu, si, bicorne. Ah, mais je vais peut-être libérer pour en prendre un autre, parce que j'avais pas assez de place, en fait. Bon, bah, du coup, ça en fait un de plus. Bon, allez, on continue. Se rendre à la zone supérieure. C'est toujours intéressant de faire des combats parce que si on veut gagner de l'expérience, des capacités, etc. Faut... One more. Et one more. Et ben voilà. Alors. Il est pris lui? Non. Allez, assez général. Est-ce que c'est beau à regarder? Et voilà. Ok. Good work. Keep it up. Alors, par ici, bah, cul-de-sac aussi. Cul-de-sac, donc du coup par là. Dangerous one in there. Marvelous. What did you think? We're done. Let's go. Bravo. Bravo, bravo. Okay. That was easy. Alors donc refait un petit tour d'horizon du coup. Non, 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 non. Non, non, non. Non, mais non. Oh, mais non, mais c'est... Oh, mais non. Oh, je suis verte.
Ah bah tiens. Tampon. Du coup, bon, c'est pas grave, je suis revenue. Mais c'est pas ça du tout que je voulais, j'ai pas compris. Là, j'ai annulé ma commande. J'ai fait un misclic, j'ai annulé, mais c'était trop tard apparemment, ça avait déjà pris. What? C'est ça? Cet endroit est très spécial. Mais non, pas du tout. Alors, où est-ce que je suis là? Ah, ils ont pas l'air aussi aussi faiblards là. Tout à l'heure. Du malus défense, ça va faire mal quand ça va cogner. Oh, cool. Par contre, ça va peut-être pas. Encore pour éliminer ces petites choses là, elles sont relous. Ah, invoquer des gens là. Voilà, est-ce que ça va... Non, ça va pas être suffisant pour les assommer, entre guillemets. Hop, un mort. Raté, parfait. Et là, pas raté. Ah, saloperie, c'est vrai, il y a ça, prise d'otage. Alors, comment que c'est déjà? Il faut bien négocier. Oh là là, je suis nul en négociation. Perle. Je ne peux combler tes exigences. Bon, sérieux, c'est quoi ça? C'est pas de la négociation, ça? C'est trop naze. Ah là là là, tiens. Raté. N'y crois pas. Genre raté. Allez. Par contre, tu vas arrêter là. Tu m'énerves, toi. Allez, meurs. Même pas. Allez. Hop là, comme ça, tu pourras pas invoquer personne. Allez, vas-y, Rosie. Fais-nous un truc cool. Oh, c'était beau. Oh. Merci. Merci. Ouais, monsieur. Je sais pas trop. Oh la vache! Je ne m'attendais pas que ce soit super, c'est comme ça. Allez, mon petit. Mon petit Morgana. Petit Panata, il est grand par compétence. Allez, hop, j'ai pas envie de parler. Ah, level up. It's a step forward. Okay. You're not too tired after Alors. That, are you? Don't fall behind. Mm.
était là. Ah, ben, c'était vite réglé, parce que... Okay. Tiens, donne-moi ça. Ici, pareil, ça s'arrête là. Quoi ? En buscade ? Non, je ne devrais pas se faire qu'il l'a fait. Il utilise beaucoup beaucoup le personnage Morgana. Je veux un objet. That's an okay item. Pierre de vie. Let's pull back for now. Okay. Ouais, par contre, c'était pas vraiment phénoménal au niveau. Alors, ah bah oui, je trouve des petites fleurs, c'est magnifique. Argent fin, ici c'est pas possible, ici une porte. What? On va récupérer ça. Mais par contre, hein, je t'ai dit ça. Mais... What? Ah non, ouais, c'est bon. Attends, fais voir le... Ah, c'est de l'arnaque, hein, tout à l'heure. Hein. On dirait que le niveau de sécurité de ce palais ne change pas même quand on se fait repérer. Les autres palais existent à cause d'une seule personne, mais le même manteau est mal du peuple. Quelques intrus ne suivront donc pas à faire changer le niveau de sécurité. Il faudrait faire quelque chose de si affreux que tout le monde nous verra comme des ennemis. Ok, fais attention à toi, ok, Skull. Et la ferme. Je sens que notre cible se trouve quelque part dans cette zone. Ratissons cet étage pour la trouver. Ah, je les aime pas, elle, là. Alors, lui, il reste désintégré. Lui aussi. Et elle, je les aime pas. Avec leur attaque... Allez, go! Est-ce que je l'ai, elle? Allez, donne-moi ta force. Je viens de la mer des âmes. Mon véritable nom est Silky. De là d'avant, nous ne sommes plus qu'un. Mais je peux en trimballer combien maintenant, du coup? Attends, attends. All right. Tu vois? J'aime bien lui, j'ai pas envie de prendre autre chose, mais bon. Ça pourrait être bien d'essayer de... Bah lui, il est niveau 10. Si on essayait avec lui, ça. Ouais, on va essayer avec lui. Droit devant. Oui, on y va. On verra bien.
Oh! C'est celui qu'on cherchait, oui. Alors, de ce que je sais, il donne surtout dans le chantage, le racket, ce genre de choses. Si on ne lui fait pas subir une métanoïa, il risque d'aller encore plus loin. Let's go! On y va. C'est pas ma faute s'ils n'avaient qu'à se défendre. C'est pas une raison en quoi c'est leur faute si tu ne leur laisses pas le choix. Tu es vraiment minable. Tu t'en prends aux plus faibles qui ne peuvent pas se défendre. Vous vous mettez à plusieurs contre moi, vous êtes un gang ou quoi? Ouais, on est un gang. Justicier mon... Piup! Ne prenez pas de ouf alors que vous ne comprenez rien. Alors, ce qu'elle fait comme ça, il va avoir assez spécial. À l'attaque! J'adore cette musique. Quelle heure il est? Oupsie! Bah, après ce combat, on va arrêter la vidéo. Alors, en théorie, ça devrait pas être compliqué. En théorie, je veux dire. Victime de peur, genre, allez. Alors, tiens, il n'utilise pas beaucoup, donc... est-ce que ça fait mal, ça? Il a un peu aussi coup de tête, 20 PV. Tu vas voir, ça? Oups. c'était mignon. Est-ce que... ouais, on va peut-être soigner Morgana. Je vais te faire... non. Hold on. Ça, c'est pas extrêmement puissant. Mais... allez. Raté! Ah, je suis déceptionnée. What? Petite saleté là! Il a liquidé tout le monde! C'est trop une blague! Persona! Go down! Ah, tu vas nous faire encore lui. Allez, c'est bon. Oh, mais non! Quand même, purée, il m'a liquidé mes partenaires. Sans scandaleux, scandaleux. Ah. Donc, c'est qui mon personnage? Mon persona. Ma persona, ce que vous voulez. Après un niveau et... Scroll aussi. Niveau 13, Yuji, mon cher Yuji. Alors du coup ça donne quoi? Patra? Patra. Patra, c'est bien, ça doit soigner. Mais si je le fais pas, si on prendra moi, je ne veux plus qu'on me vole mon argent. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Si je ne m'occupe pas de lui, ce sera moi la victime et ça je refuse. Oh, je comprends, c'est une plus grosse brute qui tire les ficelles. Tu viens pas de dire que les gens n'ont qu'à se défendre? C'est eux, aidez-moi, pitié. On peut l'aider, je sais pas. Allez. Faut t'excuser auprès des victimes et puis peut-être qu'il faudrait qu'on... on gère aussi... les plus grosses brutes qui tiraient les ficelles, justement. Well then.
Ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait à présent? On continue notre exploration. Il n'y a plus de scie dans cette zone, on fait quoi, Joker? On continue parce que je voudrais, s'il vous plaît. Alors si on se rapproche de ça, ça change quelque chose au problème. Zone précédente. Oui, on change de cette zone, on change de zone. Je voudrais retourner voir où est-il. Retourner voir José. Justement pour lui donner. Attends, voir ça. C'est bon, on l'a déjà fait, ouais. Alors donc. Non, non, je veux pas aller à la zone inférieure, je veux aller voir José. Donc du coup, tu me dis que tu me dis rien du tout. Je vais se débrouiller. Tac. Tac. Ah mais non! Ah je me suis fait avoir! Je l'ai pas vu! Et puis là ça va être chaud! Oh mais sérieux! Oh bah ça commence très bien! J'aurais mieux fait d'aller me coucher! Ah puis j'avais dit j'arrêtais moi! Bon bah vite fait hein! Alors objet! Let's see. J'ai rien pour Non, j'ai rien. C'est bien. Non, c'est pas grave. On va se débrouiller. Allez, wow. Et pas sûr, oui. Il y en a d'autres qui vont arriver, donc il va bien falloir que je me soigne à un moment donné quand même. Bon, ils font pas trop de dégâts, ça va. On devrait pouvoir s'en sortir quand même. Ah non, ils n'ont même pas appelé d'autres. Ok. Alright. Je pensais qu'ils allaient appeler. Bon, voilà, c'était ça que je voulais faire à la base. Briser le mur, on peut faire ça. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un tampon caché. Parfait. Inspecter sans attendre. Ah ouais, je... On découvre des choses. Alors du coup... Petit sac... Je vais être hors délai, moi. Ça va pas du tout. Hein. Ceux-là, faut les aimer, c'est casse-pieds, ils inventent des. Ils sont un peu pénibles, ceux-là, quand même. Hein. Il faut le dire. Yep. Ah. Ouais, disparaît, quoi. Oups. Oups, très oups. Panther's in trouble. Someone heal her. Let's go. Hmm.
Four enemies! Hold your ground! Joker, your defense got lower! Ouais, faut vraiment qu'on les ait fait là parce que j'ai un bot sans arrêt les. Aïe! Tiens, bravo! Et toi, je suis déjà assez placé. Parce que ils sont relous les petits trucs, ils invoquent là. Allez. Toc. Même pas encore mort, hein, sérieux. Merci un mort. Raté et raté. Oh. Allez, vite là. Ah, tu l'as assez beau, là, quand tu as un peu. Alors, attends. Bravo, maintenant. Persona! Ravage now! Joker took one out! Ouh, c'était super! Ça, ça a fait mal, tiens. Allez, oh bravo, c'était beau. C'était très très bien. Ok. Bon bref. Ok, we're done. Hurry up and move on. Du coup, ben, on passe par là. Normalement, eux, ils sont pas très compliqués avec Morgana. Ah, ça, il a résisté cette fois. Du coup, là, ça va être plus compliqué. Je résiste. Ah, il reste toujours 3 points de vie et on peut nous en titine. Attention, vite. Ah, le regard noir, hein. Ça nous aide beaucoup. Et du coup, ouais, ça va pas être aussi simple que d'habitude. Ah. Destruction, punaise. Il nous a fait mal en partant. Ah, level up, Morgana. Alright. Ah, par contre, on est mal. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'intéressant. Alors attends, Morgana. Parce que t'en as plus. Les compétences, on va utiliser celle de. Soigner un peu tout le monde. Voilà. Alors. Donc, nous disions. Tiens. Oula! C'était impressionnant! On a rien de temps de faire! Rien de temps de faire! All right. C'était bon! That's all it takes for me. Alors maintenant. Ajout bonus à la vidéo.
force d'explorer, en fait, je suis retombée sur José qui m'a dit je passe devant, donc j'ai suivi, puis il est là. Hey, donc mister. On va pouvoir lui reparler. Ah, voilà, du coup, maintenant, je vais avoir des choses à lui échanger, quand même. Alors... Rend 50 PC à un allié, ça c'est cool ça. Je vais en prendre deux. Merci. J'ai plus assez de fleurs, de toute façon. 11 fleurs, donc voilà. Donc retour et on va aller voir là. Expérience augmentée, tampon 5 points. Pourquoi on peut pas? Alors attends, faut que je arrive à comprendre là le truc. Pourquoi tu veux pas? Alors, récompense d'objet augmentée. Pourtant, j'ai 5 points de tampon. Alors pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas compris là? Regardez, expérience augmentée, 5 points. Ah, ok, d'accord. Il fallait faire un petit mouvement vers la droite pour mettre une étoile. Voilà, ok. Parfait. You want me to change mementos? Here we go. Qu'est-ce que vous faites? Just why? I've learned Regarde. All about this. You see, the cognition flowing through mementos. Mais il arrive à jouer sur la psyché qui circule dans le memento. It's got these things that are similar to what you humans call pressure points. So, if I do this. Voilà, c'est spectaculaire. Ah. There. Et that voilà. Should have changed it for you. Don't believe me? Tu ne me crois pas? Just take a look for yourself. Viens pour toi-même. Ok. Bon, et eh bien, cette fois-ci, ça va être vraiment la fin de la vidéo. J'ai un petit peu tourné et viré pour le trouver, ce petit José, là. Donc on va s'arrêter là, on reprendra la prochaine fois, je continuerai à balader un peu dans le mementos pour histoire de faire un petit peu justement ben, de points d'expérience supplémentaires, c'est toujours bon à prendre, et puis après ben, on sortira, puisque de toute façon on avait atteint notre cible, c'est-à-dire faire une petite métanoïa sur l'espèce de caïd là, qui semait la terreur à la sortie du lycée. Voilà, donc cette fois-ci je vous laisse vraiment, et je vous dis à la prochaine, salut, ciao.